applaudit Olivia Piana, notre gagnante de cette Technical Race. Merci beaucoup. T'as l'air en pleine forme, on dirait que t'as fait juste 200 mètres là, de stand-up paddle. Je suis en forme parce que dans un mois, il y a les mondiaux et c'est bon signe. Voilà, c'est une très très bonne préparation pour les championnats du monde en Chine du 27 octobre. Les championnats de France, à chaque fois, c'est important. Et là, ça s'est super bien déroulé. On a eu de la chance avec le temps. Donc, merci à tous, à leurs gars. Et franchement, je pense qu'on a tous passé un bon week-end. Suspense jusque dans les derniers mètres. Voilà, c'est la troisième fois que j'en ai depuis que le Santontica a commencé à organiser les compètes ici. Et voilà, à chaque fois c'est nickel. Encore un super parcours aujourd'hui, bien varié. Je crois que tout le monde a pris beaucoup de plaisir. On a un super temps. Voilà, c'est au top. Bah moi, je pense qu'on a tous passé un très bon week-end avec ce beau temps, cette belle orga, ces beaux parcours. Merci beaucoup et ça fait plaisir à voir pour notre sport. Et voilà, bravo à tous et à toutes. Donc, deux jours de météo exceptionnelle au niveau soleil et vent. Donc, hier, une technical race qui s'est vraiment bien déroulée avec des parcours bien techniques de la vie des coureurs. La fameuse longue distance qu'on attendait tous, on l'a durci un petit peu cette année puisqu'on a fait une partie qui est allée amener les coureurs vers la Grande Conque et qui a durci un peu le parcours, c'est le but d'un championnat de France, a permis de encore monter le niveau et d'augmenter la durée puisque la distance totale était de 14 km. Le classement s'est fait juste après les trois bouées, juste avant l'arrivée, c'est-à-dire 200-300 mètres de l'arrivée, devant la cathédrale, c'était quand même assez top.